Voilà. Ah. Oups, pardon, j'ai mis un trop grand. Toujours vivant, Horus? Ça ne saurait tarder, mon décès ne saurait tarder en tout cas. Alors pour faire ça, on est en train de faire un multi-stream sur trois chaînes. The War is Mine, je sais pas quoi, sur la 1, Chevet de la Pelle sur la 2, et le Delphinus en gros combat sur la 3. Voilà. Oh, sérieux, on m'a coté quoi. Bon, bah on est sur un triple multiplex. Comment ça? J'ai lancé la... Ah, je fais de la merde. J'ai lancé la 3. Et tu joues à quoi? Bah, comme d'hab. Mais là, je suis en train de faire des gros combats. Rien qui passe. Je suis en train de faire des gros combats avec le Delphinus, alors du coup, je vais pas le louper. Alors, je vais aller voir un peu sur internet. Voir s'il y a 2-3 astuces pour Ah déjà utilise pas ton radar. Ah non, c'est pas le bon jeu. C'est pas pareil. Voilà, c'est normal, on est sur le panneau du bateau, c'est juste que je vous mets le bon titre. 3. Parce que on l'utilise moins souvent. Juste à préciser que le jeu est noté 17 sur 20 par jeuxvideo.com. Pas mal. Oui, c'est un jeu assez sympa. D'envoyer vers le site. Là, je commence à gérer ces phases. Merde. Juste au moment où je dis ça, je prends un coup, deux coups, trois coups. Quatre coups. Attends, j'ai pas. Merde, il y avait un truc possible là au début. Oh là là, oh là 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 là. Faut que je dise ce que je gère pour m'en prendre plein la gueule. Quoi. Nouvelle tentative. Katia Bruno Pav. Pav Bruno Marco. Veta Pav Anton Zlata. Zlata! Bruno Roman Arica. Ah d'accord, en fait je peux choisir si je... Le guerrier de la pelle. Pour pas prendre les mêmes. Le chevron avec Katia.
Kaka-kaka-kacha! Kachabunga! À poil, Katia! À poil, Katia! À poil, le chat! Par contre, l'abri... par contre, l'abri n'est plus du tout le même! C'est classe! Par contre, je sais pas si t'es au courant, mais t'es en petit écran sur, le... sur ton live. Ah! Hop! Là! Non, mais j'ai l'œil sur tout, c'est parce que je suis sur la troisième chaîne tranquillou que je vous vois pas, les gars. Je vois tout! Omniscient! On voit ça? Je vois Aureus, tu vois, il est dans une plateforme avec des monstres qui l'entourent. Il se frite dans une espèce d'endroit avec des nuages partout. C'est un rêve. Dans le rêve, ça a attrapé là, sauf qu'il y a des monstres partout autour. Bon là, cette fois-ci, le canon gigas, on va le voir. Pas de problème. Oh là là, tout le monde qu'il y a, quoi. Ah non, faites pas maintenant. Ça fait chier. Mal placé. Oh, c'est classe le petit multiplex. Vous devez faire comme moi, vous mettez les pop-out autour. Ah non, vous pouvez pas vous. Ouais. Non, parce que sinon ça risque de laguer un peu. Pouah! Ça risque petit écran quoi. Pouah! Moi ça lag pas. Hein. C'est bon, ça va, merci. Oh, je crois pas ça, c'est pas possible! J'avais oublié. Oh, 4500 tickets repas, quoi. Forcément, ça augmente à chaque fois, quoi. Ouais, 6000 le prochain, quoi. Alors, Pinta, à l'aide de la commande, protège votre navire des canons ennemis pendant un tour. Ah bah voilà. Faire ça. Parfait. Bon bah on va faire ça. Pinta. Tac. What the fuck? Regarde mon stream, Julien. Je vois. Y'en a qui dansent? Ouais. C'est mon plus beau cadeau. Une danse quoi, là te faire foutre quoi. Ah, y a une partition quand même.
Du coup, je vais pouvoir revendre une partition à Bard. 0 dégâts, voilà. Ça d'avoir un bon équipage. Intouchable. Et en plus, gros dégâts. Voilà. Ah oh, mais il est plein que j'ai pas encore vu. Burst. Pardon. C'est souhait. Voilà enfin le canon gigas. Ah non. Mais non. C'est trop tard. Ah, voilà. Canon gigas. Regarde, toi, tu vas collecter. Au revoir, bateau. Ça fait un plaisir d'avoir conversé avec tomber. Toi. De la relancer au début, je me demande si ça pourrait faire une bonne sonnerie portable. De la télécharge. Légalement, si c'est possible de la télécharger légalement. Ah, il est costaud quand même le bateau, bordel. Il est pas mort. Voyons. Oh, ça peut le faire. Ta-da-t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 a-
Faites trembler la terre. Et... D'accord. Alors, que proposes-tu, mon cher ? Mais c'est de la race de mutants, quoi. Oh, c'est le chat. Ah, c'est mon chat. Ah, c'est mon non chat. Bon, ok. Même pas mal. Hop là. Jour 3. Nous avons été pillés. User in your channel timed out. Oh, au revoir.
qui c'est qui était timed out? LT, je sais pas. Non, 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 non. I am always here. Bah, elle est là. Pas évident ce qu'on joue. Toi, tu te fais agresser par des lapins mutants volants. Des fois, tu te fais agresser par des pics. Souvent, tu te fais agresser par des pics d'ailleurs. C'est la drogue, c'est le niveau de la drogue, ça. C'est ça. Drogue. La bonne méthamphétamine, quoi. Ta mère le pic. Ta mère le lapin volant. Oh, justement. C'est... Comment là je vois. Alors pour ceux qui ne comprendraient pas pourquoi est-ce que l'on parle d'un jeu à un autre. Tout simplement puisque sur TV1 vous avez Clicard. Avec C'est moi. Avec This War of Mine. This War of Mine. Sur TV2 vous avez Poreus avec Shovel Knight. Et sur TV3, vous avez Julien. Ah bah c'est moi. Avec Skies of Arcadia. Voilà. T'es sûr que c'est toi? Bah j'en ai sûr. Attends, faut que je demande dans le conseil très fermé de ma tête. On fait une réunion entre nous là. Qui est qui alors? En fait, ce niveau, j'ai pensé à plusieurs choses. Waouh, t'es sérieux là? T'es sérieux? Ça ressemble à une partie où t'aurais fait Mass Marauder. Ouais, c'était du Arras de Muta et Zergling. Stressant ce niveau! Il est stressant ce niveau, il me tend! Oh, j'ai pété le point de sauvegarde sans faire exprès en plus! Oh, fais chier! Et je dois repartir du début chaque fois, quoi. Enfin, du premier point de sauvegarde. Trésor au moins. Et je meurs juste après évidemment. Putain. Fuck it. Fuck it. C'est ça. Et si je mettais en allemand pour voir.
certainement. En plus, si j'ai acheté le jeu en français, alors j'ai le droit qu'elle le mette que en français. J'ai envie de devenir anglais, j'ai pas le droit. Oh, 820 quoi. Oh mais ces petits rafours, mais cette agression encore là. Nigger. Faut dire. Je vais pas avoir la partoche, ça fait chier. Wow, wow, wow. Monsieur, tu commets une agression par inadvertance là. Ah d'accord, là tu vas faire commettre une agression, je le sens, mais là ça peut être pas vrai. Par advertance, putain. Ah oui, d'accord, quand tu cours comme ça. Tiens, coup de pelle. Aïe. Coup de pelle. Putain, j'arrive pas à déclencher le canon gigas, ça fait chier. Non, coup de pelle, aïe. Coup de pelle, mort, décès, voilà. Ok, je suis arrivé au milieu. Je suis arrivé à la moitié du donjon mesque. Hop là. Hop là. Une petite pomme comme ça, t'as rien vu. Hop, hop. Ouh, pas peur du feu, moi. Peur du feu, moi, non ! Décès ! Hop. Je crois qu'au niveau bouffe, j'ai déjà tout pris. Pas peur feu. Oh! Un guerrier volant. Aïe, un con. Combat épique entre un chevalier volant et un homme à la pelle. Et la victoire de l'homme à la pelle. C'est bien plus facile avec ma pelle. Avec l'oupelle. Oh, avec l'oupelle. C'est la première fois, que dans cette plateforme, je vais trop vite pour le jeu, quoi. Avec le père, je vais faire mur. Avec le père. Oh, faut remonter déjà à Marco. Pourquoi? Portugal, la père.
C'est trop cool. Hein. Il va kiffer, ça va rappeler chez lui. Aïe. C'est des combats épiques. Courir vers la sortie. Katia is back. Attention. Souhait. Pardon. Intenable. Fabriqué. Ah, y'a papa. Je vais les mettre en bas. Mais c'est intenable. Faut que tu le fasses avec la pelle en bas. Là, c'est abusé, je vois tout, ça faut que j'arrête là. Non, ça sert à rien déjà. J'ai essayé là sur du feu là avec la pelle en bas, ça marche pas. Moi, faut juste que je prenne volontairement le coup pour avoir la visibilité pour pouvoir passer. Quoi. Non, toi tu continues à passer là-dessus. T'es en train de perdre tout mon or, ça m'énerve. Ça m'énerve. Et surtout qu'en fait, dans ce putain d'endroit, quoi. Si tu perds ton or, c'est foutu parce qu'il se met toujours à un endroit où tu peux pas le récupérer, quoi. Au-dessus du vide. Voilà. Non, tu me casses les couilles, chevalier vert qui me donne rien en plus. Oh, ils auraient tellement dû le mettre dans le dernier Super Smash Bros. Hein? Le Shovel Knight dans Super Smash Bros. T'as vu, c'est énorme. Ah, t'es le premier personnage de jeu indépendant. Fuck. Je prépare toujours de cet endroit là, ça m'énerve. Putain. Mais ta mère, j'ai pas pris le coup là, mais ta sœur. Comment tu le passes ce passage en fait? Quel passage? Des feux. Je sais pas trop. Il le passe pas. Coup de pelle vers le haut. Bah. Putain. Coup de pelle vers le haut. Oh. Coup de pelle vers le bas. C'est combien il me reste de vie, tu sais, à chaque fois. Quand j'en ai pris deux, j'aurais pu tout prendre. Et c'est là qu'à chaque fois il est... Oh, il l'a raté! Il a raté l'éperon! Ah, je vais pouvoir le faire le canon gigas! Allez! S'il te plaît... Dans le même temps, moi j'ai passé le... OUI! J'appelle le G...
casse la gueule. La 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 la. Putain, j'aurais même pu le deux fois si j'avais voulu. Putain. Juste pas assez d'énergie. Dommage. Alors là, mais je vais tellement lui ruiner sa gueule. C'est quoi ça? Ouais, parce que si j'avais une lame de scie. Donc il faudrait que je fasse une lame de scie. Ça va être sur les... Déjà ça, hop. Pense comme ça. Ah, il y a des trucs au-dessus aussi. Ah, j'ai fait l'ouverture, j'ai fait l'ouverture. Il baisse sa garde. Oh non. Et là. Oh, allez. Ah non, c'est bon. C'est fini pour toi. La train bref. Fire. Moonstorm. Ah ouais, en français on appelle ça canon gigas, en anglais c'est l'éclair de lune. Pas tout à fait pareil quand même. Tempête de lune. Moonstorm. Oui. Tempête de lune, feu. Ouais. C'est quand même plus classe, mais bon. Voilà, il est mort. Bon, super blindé, galon, canon 12. Yeah. Ah merde. Oh, je suis tiraillé. J'ai tac le boss avec un cœur et demi, quoi. En me mettant un coup, il m'enlève un cœur. You cannot. Ok, il me reste un demi-cœur. Ok, il me reste zéro cœur. Oh. Je vais me faire un petit coup de régène vie. Ma vie, c'est tapis. Il était bien pensé le jeu, parce qu'il n'y aura pas d'incident style la fin de Zelda 2, quoi. T'as tellement envie que tu peux te permettre de te mettre dans un coin et de bourrer le boss. Si je me mets dans un coin et que je bourre le boss, je meurs avant lui, quoi. Non, parce qu'en fait, on n'a pas tellement de vie. Parce que juste, en fait, à ce moment-là, t'as une espèce de pattern, ou je ne sais quoi, là, ou de hitbox, qui te permet de te positionner à cet endroit et de ne pas te faire toucher par le Link noir. Sinon, il est imbuvable. J'essaie de le faire en mode normal. Je te conseille de regarder le boss que je suis en train de faire actuellement et ose me dire qu'il est pas imbuvable aussi, quoi. Non, ça va. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, mais non. Il fait boule, 3 boules, boule, saut. Boule, saut. Boule, 3 boules, boule, saut. Boule, 3 boules. Le problème, c'est que je prends 2 boules sur 3 à chaque fois. Moi, j'aime la glace, je suis désolé, c'est comme ça.
Chacabra. Après il fait. Après il fait chaudron de magie, téléportation, ninja, te balance deux grenades fumigènes à la gueule. Grenade en. Aïe. En mouvement pendulaire. Oui mais c'est mortier. La routine quoi. 1, 3, saut, flamme, saut, balançage de grenade. Saut. Balançage de grenade. Ninja. Il me reste un point de vie, lui 3. Il va falloir être très bon. Il me reste un 10 points de vie, lui 3. Il va falloir être très bon. Voilà. Il va falloir être très mort. Mais c'est la guerre, quoi. Eh, c'est chevalier que je suis pas ninja. Hein. Ok, j'ai compris le truc pour sauter au-dessus de lui. Allez, c'est parti, direction le récif noir. Alors. Par là. Mais mec, il m'envoie un mortier tous les deux. Boule ! Il me met la boule ! Oh! D'accord, je sais plus où il est le récif noir, c'est bien. Il y a des hauts faits qui disent finir le jeu sans mourir, mais putain. Sérieux? Ouais. Finir le jeu sans mourir, quoi. Oui, bien sûr. Comme si on me disait fini Ghost and Goblins sans mourir, quoi. Oui. Fini Alien Isolation Hard Mode sans mourir. Ah mais ils sont mignons eux. Ouais, faut aller par là pour traverser. Par là, ça veut dire quoi par là, tu sais? Une flèche? Montre-moi du doigt, je sais pas, par là, tu sais. Par là, c'est. Ça veut rien dire pour moi là, par là. Tentative par en dessous? Non. Ça le récif noir? Non, je peux pas passer à travers. Bien apparemment. Putain, ça. Ouais, faut aller longtemps dans le combat! Oh non, faut que j'aille vers le sud alors. Faut aller vers le sud. Je l'ai eu! Nique ta mère! Motherfucker! Pardon, excusez-moi. Je me suis emporté. C'est un cri de jour, là, c'est un cri de jour. Putain, il est 3h30 du mat'. Ok. Alors. Là, je me suis pas rendu compte. Non, mais je me suis pas rendu compte, en fait. Travaille pas demain, c'est bon. Ah, ouais. Ah si, je vais travailler. Mais mes cours, quoi. T'as pas d'heure pour ça. Pas d'heure fixe, je veux dire. Oui, non, oui. Ça, c'est clair.
Ça y est, Auré, ça finit le jeu. Oui, mais ça. Oh! Le même donjon que j'ai fait avant, mais avec le scrolling qui me suit, quoi. Ah ouais. Ok, là ça doit ressembler au récif noir, tout ça. On va aller par là. J'espère. Sur cette pause, sauvegarde, nous allons poser et revenir pour un ultime. Here goes. Yeah. Yeah. Cutlass Fury. 1074. Ça c'est bon. Over there. Over there. Non là y'a... je crois pas qu'il y a quelque chose. Tsurak. Jour 8. That was easy. Oh, il m'en manque. Bon, c'est par là qu'il faudrait aller. On va attendre que la journée passe parce que si le mec se pointe pour du troc, c'est bien de passer les journées comme ça, mais en fait s'il y a des events qui viennent à la porte, bah en fait je les vois pas. Donc on va laisser les journées s'écouler normalement quoi. Marnolement. J'entends quelqu'un à la porte. Le marchand.
Bon alors. J'ai un truc. C'est derrière moi. Apparemment c'est dans cette zone. Là! Il y a une Stargate dans les nuages, faut que je le prenne. Ok. Merde burst. poulet rôti. Pas d'amis le perroquet, dommage. On va mourir. Voilà. That was easy. Oh oui, il a pris le rang ultime, Incremus. Nous entrons dans le récif noir. Où je suis. D'accord. Bonne sauvegarde. Bateau, c'est rigolo. Alors c'est un donjon bateau ça. Ah ok, le vortex est là. Bienvenue dans la Stargate de Skies of Arcadia. Nous allons vers un autre monde, notre galaxie. Voilà la galaxie de Pégase, allez. On va aller voir les Wraiths. Waouh, ah ouais, c'est sympa. Très stylé. Ouais, y a un bateau échoué, on va aller voir. Armure de mousse. Alors ça, si c'est puissant, une armure en mousse, là c'est pas pour lui. C'est pas pour elle. Alors c'est encore moins pour elle. Ah bah non, c'est pour elle. Peut-être pour voilà. Enrique. Eh Enrique, meilleur que l'armure de mousse. Ah. Alors voyons, donc là il y a des passages un peu partout. Le vortex qui continue par là. Ok. Il peut y avoir des trésors ailleurs. On va aller voir là-dedans.
des pièges, mais bon. De toute façon, on est là pour la guerre. The world is mine. Non, mine world, war. War is mine. Putain. The world is mine, putain. Je savais pas qu'il s'appelait comme ça le jeu. Original. Now you know. J'ai juste regardé les exploits pour rigoler. Terminé le jeu, ok. Trouver un nœud de partition. Pêcher quelque chose dans 5 points de pêche scintillant. Okay. Avec toutes les reliques, équipements et améliorations. Vaincre un ennemi en utilisant chaque relique. Ok. Goûter à tous les icônes du roi Garpom. Et hein, à tes souhaits. Goûter à toutes les icônes ou les ichors, je sais pas comment ça se dit, du roi Garpom. Mourir de toutes les manières possibles. Y'a pas ça? Non, y'a pas. Il y en a 45. Aider encore. Tous les profiteurs des magasins de chapeaux. Réflexion, toucher 30 fois des ennemis et renvoyer un projectile. Finir une nouvelle partie plus. Et merde. Champion du hall. Soulager les malheurs du hall des champions. A la prochaine, vaincre tous les voyageurs errants. Mi-parcours, 24 chevaliers de l'ordre des 100 quartiers. Ouais. Dépenser un total de 25 000 pièces d'or. Terminer un niveau sans recevoir de dommages. Hein? Finir le jeu sans mourir. Oh, il y a eu. Terminer le jeu sans dépenser une seule pièce d'or. Finir le jeu sans tomber dans un trou sans fond. Ok. Détruire tous les points de sauvegarde du jeu. Oh. Une horreur, quoi. Maître de l'épée. Acheter toutes les améliorations disponibles pour l'épée. En fait, non, détruire tous les points de sauvegarde du jeu, tu le fais en même temps que le sans mourir. De toute façon, t'as pas le droit de mourir. Bah, ouais. Oui. Bon courage! Avec la baguette ardente à 25 blocs de distance ou plus, ok? Ramasser l'équivalent de 2000 PO sur les pics avec le collier de phasage. Détruire 5 ennemis en moins de 5 secondes avec les sphères du chaos. À point fermé, rester en l'air pendant plus de 4 secondes avec les points de poussière. Faire rebondir 5 fois de suite la même pièce alchimique. Tuer 3 ennemis avec une seule encre de lancer. Vaincre 3 ennemis avec l'hélico dague sans toucher le sol. Vaincre 5 ennemis d'un coup ou avec le corps de guerre. Bon, ça c'est avec des objets quoi. Traser 5 ennemis avec la même méca mobile. Terminer un niveau sans mourir. Terminer le jeu sans récupérer aucune relique. Finir le jeu en moins d'une heure et demie. Oui, bien sûr. Accumuler 50 000 pièces d'or sur vous. Détruire tous les points de sauvegarde d'un niveau. Sortir indemne d'un combat contre un des chevaliers de l'ordre des 100 quartiers. Terminer le niveau en donnant moins de 20 coups de pelle. Putain. Mais mec, t'as plus le droit de rien faire, quoi. T'as... Terminer un niveau sans manger de nourriture. Achever n'importe quel boss avec la technique des étincelles. Achever le chevalier noir en lui renvoyant un de ses projectiles. Et écouter toutes les blagues de croisseur, ok. Impressionner Mona avec votre habileté, ok. Ne pas récupérer d'argent pendant un niveau de l'ordre. En gros, tu dois lui montrer ton habileté à la pelle. Ouais, apparemment. Rebondir sur le cerceau de l'enfant pendant 5 secondes. Découvrir les secrets du roi Garpom. Et Chevalier Vert, faites preuve de prudence et de bon sens autour des feux de camp. Ça, j'ai déjà fait. Bon, ben. C'est la merde, hein. Que dire de plus? C'est la merde. Ah, je suis sorti du même côté, merde. Mercredi. Non. Bon, alors il y a quelque chose à faire de particulier. J'ai déjà été là. Un nord après Sirlande, à l'ouest au carrefour. Oh bon sang, j'ai dû le louper. Un nord après Sirlande. À l'ouest au carrefour. Alors, il était combien de jours? Je sais plus. Ah,
Et t'as combien de persos là? 4? Je viens d'avoir le 4ème là à l'instant. Ça se passe bien, ça va? Oh, oui, oui. Je me fais agresser quoi. Katia elle a pas des envies de procréer, si c'est ça je peux donner un coup de main. Pour l'instant non. Enfin un coup de main, façon de parler. C'est comme la blague d'Oreus, impressionner Mona je sais pas quoi. C'était quoi le truc? Impressionner Mona avec votre habileté. Aïe. Voilà, je vais te montrer mon habileté à la pelle. Oh, je te défracte. Marcher tranquillement là, tu fais oui, c'est le chevalier à la pelle qui défonce tout le monde. Non, bah non, moi je suis un gentil putain. Voilà, comment me faire piquer 2000 d'or et mourir. J'ai tellement envie d'aller réagresser quoi. De toute façon, ce jeu là, tu ne peux que l'aimer toi, puisque vu que t'étais un grand fervent supporter de Zelda 2. Bon, ça va, moi, j'aime bien Zelda 2. Oh, Zelda 2, moi je ne peux plus, je ne peux plus. D'accord. Et ça, tu peux pas le faire, t'as pas certaines reliques. Bon, allez, je peux te tuer, je peux le faire. Je peux te tuer. Réfléchis en deux minutes, ça devrait aller. Je me fiche. C'est la même attaque que Captain Falcon. Tiens, putain. Bonjour. 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 Bon alors dis-moi Nos, quel stream préfères-tu? Pour l'instant je regarde juste celui de Clicard. Oh, oh. Y'a pas d'action sur Clicard. Oh, ça c'est que Shovel Knight. Regarde le guerrier à la pelle. Shovel Knight je le connais déjà. Moi j'ai les trois streams en même temps. Enfin. Sauf celui que je fais, parce que je le vois. Grâce au pop-out. C'est trop bien pop-out. Bah ouais. Bientôt faudrait faire un truc, c'est dès qu'il se passe quelque chose d'énorme sur une des chaînes, tu. Ah. Il faut se rendre sur la 2. Alors j'entends qu'il faut aller sur la 2. Aurélius est en train de rager, il faut pas rater ça. Tu. Ah, Clicard a perdu deux joueurs. Allez, bim, décède. Si t'arrives à tenir Shovel Knight, tu peux jouer à Dark Souls. je trouve Shovel Knight beaucoup plus chiant et hardcore que Dark Souls. Tu rigoles ou quoi? Oui. Non, en fait. C'est pas bien compliqué Shovel Knight pour l'instant. Et bah Dark Souls c'est pas bien compliqué. So bad. Mais... D'accord. Voilà, c'est la danse de la victoire. Max, il en mode tutu. Wow, allez, enfin, au niveau de la lèvre. Joli. Des fous. C'est l'heure de la pelle. Oui, allô? Ok, t'es alors. Nul à chier. Je peux les attaquer par le dessus.
Et on lui pèlera le jonc. C'est mieux, ça fait. Le récif noir, ça doit être ça. Alors, ah, j'ai trouvé une découverte sans le faire exprès du tout. Bon, alors ici, il y a un vortex. Ici. Oh putain, il y a des vortex partout. Eh merde. Il y en a un qui est rouge. On va pas prendre celui qui est rouge. A mon avis, ça te ramène au début. Rouge, c'est le mal, voyez. Je crois que j'ai bien fait d'ailleurs. Là, ça continue. Je pense que le rouge il te ramène au début. Bave les morts. Encore. C'est une épave. Le premier est à mourir. Attends, lui commence déjà blessé. Quoi. Là demain, faut aller chercher mon casque. Jour 10. Bave est mort. Il fait de la baleine. Non, c'est pas tellement une baleine ça. Baleine de lave. Enfin, un gros hanneton, un peu comme ça. Ouais, enfin, moi d'ici, je vois un gros truc dans la lave. En même temps, c'est normal que tu le trouves simple le jeu là pour l'instant, oui. Oui, je sais, je suis au début. Mais... Ok, alors là, ah, ça passe. Dangereux! Que j'ai perdu. Ah bah oui, du coup oui, j'ai perdu ma pelle. Les poneys, c'est pour les tapettes. Salut, salut. Ah oui, t'es contre le boss, t'es quoi, t'es contre le mob au bâton pénis. Ouais. Bâton qui salue, qui s'allonge. Aïe. Oh, top. Oh, oh non, pas ça. La hantise de tous les jeux style Mario et ça, enfin tous les jeux de plateforme en fait. Les trucs qui sortent random de... Ta putain de lave. Yop yop yop. Comme ça. Yop 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 yop. C'est le décès. Sur quoi là? De quoi? Vous êtes sur quoi? Ah, moi je suis sur. Shovel Knight, The War of Mine, et je sais pas. Kaiser Farcadia pour dessus. Ouais. Respectivement sur TV 1, 2 et 3. D'accord, je vais regarder. Ah oui, en fait, Aureus. Oui. Devil Knight sans mourir, c'est totalement possible. Ouais. Totalement possible. Oui. Bon, petite pause haut. C'est totalement possible de le faire sans mourir. Oui, bah ouais, quand tu connais le jeu comme un dieu, quoi, ouais. Pas forcément comme un dieu, mais... Bah, à force de le faire, oui, je me doute bien, mais là, du premier coup... Oui, c'est normal, ça. Le jour où tu fais un jeu comme ça... Enfin, Shovel Knight, un style comme... enfin, du style comme Shovel Knight et que tu le fais d'un coup sans mourir, excuse-moi, mais. Ah, tu es chinois, encore rien. Même Mario, ça sera plus dur, quoi. Ouais. C'est qui sur la TV2? Moi. Théorius. Mais quel abruti, je jure.
Hey, je vais casser les cailloux, y'a de la lave en dessous, je m'en bats les couilles. Jamais casser le caillou sur lequel tu te tires. Et tu dois casser le point de sauvegarde, c'est aussi une bonne idée, je crois. C'est une règle minecraftienne. Ouais, ben tout à l'heure, d'ailleurs, je l'ai fait et j'en suis mort. Non, c'était pas tout à l'heure, c'était hier, je crois, avec le. Qu'est-ce que c'est que ce passage, quoi? Oh, en plus, je repars de plus loin, quoi. Voilà, ça y est, je suis requinqué. Moi, je fais de la merde! Oui, tu fais la merde. Le Shovel Knight a une pelle en diamant. L'idée. Ils sont casse-couilles, c'est spartiate. C'est spartiate. Oh merde. Putain, mais c'est voulu pour que tu fasses un gros fail en plus, quoi. Oh putain. C'est fait exprès, c'est codé, c'est pensé, c'est étudié pour que tu fasses pile ce qu'il faut pas que tu fasses, merde! Ouais, et puis les sacs dorés qui contiennent la moitié de l'or que t'as perdu, hein, sur la lave! C'est beaucoup plus intéressant! Électronique, elle commence à m'emmerder. Poilonné, donc changement de cartouche. Hop. Ah, tu fais pas de fumée. Ah, tu vas voir, tu fais pas de fumée. Ouais. Et toi, c'est quoi avec les corps? Histoire of mine. Survivre. On va y arriver. Mais la différence par rapport à d'autres jeux de survie, c'est que là, en fait, c'est dans un environnement de guerre. Sauf que là, tu joues pas des militaires qui essaient de survivre, ou tu joues des civils. Donc tu dois trouver de quoi, de la nourriture, du matériel pour améliorer tes tables de craft, notamment ton truc de cuisson, enfin. Ton lit, tout en avec sachant Katia. Que t'es civil, donc tu peux te faire descendre. D'un coup, quoi. Et ton lit avec Katia. Ah, ça y est. Voilà. Alors, voyons, est-ce que ça marche mieux? Oh putain, oui. Y'a pas photo.
Ça y est, je suis à nouveau une usine à fumer. C'est bon. Die and retry à l'appel. Ouais, non, mais c'est ça, là. Ton mort, putain. C'est parce que tout à l'heure j'ai pété le point de sauvegarde. Merde! Il faut obligatoirement que tu tues tous les mobs ou. Non. Je me semblais bien. Ça c'est son réflexe Zelda 2 ça. XP dans le récif noir, c'est bien. Bon, par contre, du coup, ouais. Là! Ah, ça a l'air rouge ça. Bon, on y va. Où je vais, mais j'y vais. Non, ça m'a ramené au début, ça aussi. On va voir. Là. Attends, là. Merde. Pas me dire que. Mais t'as un GTM même. Sur le truc. Ramener au début. Ah d'accord. Putain. Ah ouais, donc c'est ça, putain, oui. Con, j'avais pris un rouge encore quoi. Il faut pas prendre les vortex rouges. Putain, il bouge devant. Bon, on y retourne. Une save game quand même. Hop. Réflexe, aller en isolation, la sauvegarde c'est la vie. Voilà, hop 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 hop. Tu l'aides en mode Albator. Ouais, c'est vrai que. Oh putain, j'ai pas pensé à ça. Que ça le fait vraiment ça. Mais y'a plein de petits clins d'œil dans ce jeu qui ressemblent à pas mal de trucs quand même. Je les ai plus tout à fait en tête, mais. On avait cité quelques-uns. Bon, alors ici il faut aller. Enfin, rigole pas Pringles. T'es interdit sans rigoler. Mais le truc tu penses pas forcément quoi.
Oh, quel con. Et il est chelou ton jeu. Ah, mais là c'est parce que je suis dans le récif noir, là, c'est pour ça. C'est un monde un peu parallèle, quoi. Et après, il y a des défauts dus à l'émulation. Et en fait, mon regret, c'est qu'avec Unreal, on s'est rendu compte que bah, ce jeu-là a été refait en... sur GameCube. Et que l'émulateur GameCube, t'as aucun défaut avec. Sauf qu'on a déjà plus de 20 heures de jeu chacun et flemme de recommencer, quoi. Et alors là, du coup, c'est dommage. Parce que l'émulateur GameCube, il est vraiment magnifique, quoi. Il se programme tout seul, le truc. Et là, c'est sur quoi, là? Dreamcast. Non, c'est une émulation Dreamcast, alors il y a quelques trucs avec les polygones, ou trucs comme ça, quoi. Bon, après, ça va. Dans l'ensemble, c'est bien, quoi. Je veux dire... Mais bon, moi j'avais joué à l'époque sur la Dreamcast à ce jeu. Wouah, t'as eu chaud, oui. Ah, bah non. J'ai cru aussi. La meuf de ton groupe, elle a balancé un faux sur le mob, il est mort. Tu veux l'explosion lambda ? Non. Elle tout en blanc. Hein ? Ouais, c'est ça, son cupide. Animal de compagnie, quoi. Ça lui sert d'arme. J'ai déjà plus de gold, ça lui sert d'arme. Pas les couilles. C'est un peu comme Sonic, ton truc, Horus. Comme Sonic. Bah oui. Pas du tout. Tu perds de l'argent quand tu meurs. Hein. Alors celui-là il est rouge, celui-là il est celui-là. Voilà, c'est un peu space parce que c'est un passage entre deux continents maudits, mais en fait c'est parce qu'à la fin il y a un boss qui contrôle le truc en fait. Une fois que je l'aurai pété, il y aura plus cette merde là. J'adore le délire à la... J'adore le délire à la... À la Final Fantasy, tu sais, explosion lambda, normalement t'es censé avoir un petit pouf, t'es... Non, c'est méga explosion Big Bang, ah bah, de toute façon, Skies of Arcadia, la c'est... meuf, elle a fait péter le... La meuf, elle a fait péter le tronc, quoi. Et encore, t'as pas vu pire que ça, hein. Son suivant, c'est carrément des météorites qui tombaient tout le bordel. Mais bon, voilà, ça c'est un... Ouais, c'est un JRPG type, hein, ça c'est... C'est le genre de sort, tu vois, qui surprend bien l'ennemi. C'est explosion lambda, t'as le mec qui va, oh, ça va pas être si terrible. T'as le truc qui fait tout péter. Attends, tu vois, je vais t'en montrer ouais, un autre. Ouais, t'as lâché un sac mort. Je vais t'en montrer un autre qui est dans le style, pas trop mal aussi. Dans le genre tout pété. Et elle, en fait, son dernier sort est juste après, là. Je sais pas si j'ai assez de baies de lune pour le débloquer. Et en fait... Alors là, bah, non, mais c'est encore pire, quoi. Dylan, il a la meilleure équipe du monde. Il a le héros. Oh, non. La fillette qui sert à rien à des moments, mais quand elle veut, elle te fait tout péter. L'autre pleurnicheuse qui sert vraiment à rien. Et le PD. C'est trop ça. Mais non, Aurelius. Et par contre, j'ai le bateau le plus puissant du monde. Ça, par contre, mais c'est... Non, c'est classe. Exprès. Si, tu fais exprès. Non. Tiens, il y a celui-là. Tu vois très bien. Deux est pas mal. Oui, en meuf, bas, faut pas que t'es... Qu'est-ce que tu t'en blanches? C'est de la chouineuse de base, quoi. Mais elle, en fait, elle sert que pour la... Parce que moi, si je tape pas, tu vois. Elle sert que pour la mana. Y'a ça, la meuf, elle balance des étoiles, c'est tout ce qu'elle sait faire. Non, mais je peux plus m'arrêter une fois, je commence à taper dans le sens, je peux plus m'arrêter en fait. C'est Sailor Moon. Oui, non, mais je sais, t'as une fois que t'as tapé de gros cailloux, tu descends, tranquille. Oh de la merde, vas-y, je m'arrête là, ça me saoule. Get ça. J'adore ton jeu, t'sais, plus d'épée, t'sais, le mec il a invoqué un assassin tranque, le gars. Et pourquoi, quoi? Gros calibre 150 mm.
C'était des épées ou des canons, faut savoir. Dans ce vortex là, il est pas rouge, on peut y aller. On y va. Je sais pas si c'est pas de là que je suis venu d'ailleurs. Oh putain, je suis paumé dans ce truc, mais paumé. Oh là là, désorientation quoi. T'as moyen de te paumer dans un monde pareil. Messieurs, dames, les viewers éventuels, il est venu pour moi après 2h30 de souffrance de m'arrêter. Je vous souhaite donc bonne nuit. M'en bats les couilles. Vite, bah non, c'est lui, vite, vite, Katia, vite, 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 Katia, vite, vite, cours, Katia, cours. Oh oh, Katia va mourir. Non. Ensevelie sous 5000 tentacules. Ouais. Katia va mourir. Sous 5000 tentacules. Is dead. Elle s'est morte encore. Ouais, mais tout à l'heure, c'était la dernière à mourir. Là, c'était la deuxième. Mais t'en restes combien là? Non. Il m'en reste deux. Katia est morte. Et c'est vrai que Viz, il est vraiment le parallèle de d'Albator. Ouais. Déconner, l'explosion lambda. Moi je la renommerais Big Bang Attack. Ouais, c'est ça. Ah, mais heureusement que t'as pas vu le canon gigas du bateau quoi. Canon gigas. Le canon gigas du bateau quoi. Alors là tu fais ça. Ah, je reviens en arrière. Tu m'excuseras, Julen. Mais le personnage. La fille, c'est Fina, c'est ça? Ouais, Fina. Je veux pas savoir ce qu'elle fait avec son truc rose. Oh, je veux voir le truc rose. Qui peut changer de forme d'ailleurs, à volonté. C'est ça le truc. Ça se voit vraiment que c'est japonais ce truc. Hein. Donc ça, c'est un vortex très rouge. Faut pas y aller. Ça, c'est un vortex noir. C'est bon. Allez hop. J'irais plus dans le rouge que dans le noir, perso. Non, le rouge il me ramène au début. Je l'ai fait tout à l'heure, il m'a ramené au début ce con. Bon, du coup, faut se repérer à la couleur et il faut pas prendre les rouges. Aussi, j'aurais pensé ça parce que le rouge il brille. Tu fais bon, bah c'est là, non? Non. Non, non. C'est la logique japonaise. Le rouge c'est mal. Vous voyez, c'est plus mal que le noir. Le rouge veut dire stop. D'accord. Apprends le code de la route avec Sky of Daria. Ah, on voit le code de la route, je vais sortir les canons et hop. À mort le code de la route. On remet. Game of Thrones, on voit des Star Wars, Fina. Ah, pour l'instant, mais après, la dernière fois, c'était une espèce d'épée qui, effectivement, ressemblerait plus à un jouet féminin. Mais... Extrêmement vibrant. Il peut vibrer, oui. Et ça vibre pour couper mieux. Oh, j'ai réussi à avancer, alors là, on va s'approcher du boss, à mon avis. Pas loin du boss. Il va couper court à son combat. Et là, le boss. Tu verras, le canon gigas. Et là, tu vas voir, c'est Big Bang Attack, c'est de la merde à côté quoi. C'est de la piste de chat. Il a le flash. Respecte 2 minutes de séance pour Roxy. Hein? C'est un chien fidèle. Oui, bah je suis le Spindelté aussi.
Ah, moi je l'ai en petit, donc j'arrive pas à voir exactement parce que c'est beaucoup d'écrit et du coup je peux pas le lire. C'est bon. Bon, tout à l'heure j'avais les trois streams simultanés en grand, mais bon là du coup il y en a deux. Je vois très bien ce qu'il y a marqué. Oui, maintenant il voit mieux maintenant. Ouais, je pense qu'on va le faire plus souvent, c'est marrant. Non, puis en plus, Pringles, il y a un avantage naturel sur nous. Y'a pas besoin de plisser les yeux pour mieux voir. Y a surtout non, et puis j'ai pas besoin de les mettre en petit puisque j'ai trois écrans. Oh putain. Ça c'est fait quoi. Alors ça c'est fait. One shot, tu sais. Ouais, j'ai trois écrans 120 cm, je sais pas quoi en faire, alors je mets les streams sur chacun des écrans. Voilà. Mais pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi je suis laid? Quoi? Pourquoi le PD il s'appelle Enrique? Eh, parce que je peux pas choisir les noms. Mais pourquoi ils l'ont appelé comme ça? Parce qu'il est PD. Ah, mais de toute façon, pour l'instant, j'ai pas le choix de me le trimballer pour l'instant. Tu crois que Fina c'est mieux? Fina c'était le nom de la marque, la pompe à essence qui était au bout de ma rue quoi. Fina c'était pas la Moco Calis. La Moco Calis quoi? C'était la grosse catastrophe avec le prolier qui s'est déversé sur les plages, tout ça. Bah peut-être. Ah ouais, peut-être. C'est peut-être eux, c'est pour ça que ça existe. Peut-être plus. Pour ça. Ouais, c'est pour ça que c'est devenu Total. Fistina. De suite. Fistina. Ouais, mais c'est pas Enrique qui va lui faire grand mal, hein. Ouais. Fistina au pays de la fistinière. Putain, elle vient de one-shot un monstre, disons. Ben voilà, c'est ce qu'on disait. Je sais pas si je devrais vous le dire, mais la fistinière sort chez moi. Ah. Ouais. T'aurais peut-être pas dû le dire. Ouais, voilà, grossière erreur. Le pauvre. Dégage, vite, déménage, je sais pas. Il va aller à l'autre bout du monde, tu sais. Alors, tu confonds fistinière et finistère ou c'est vraiment fistinière? C'est jamais. Non, je suis dans la région centre. Aïe aïe aïe. C'est le cas de dire. Bon. Oh mon dieu. Là j'ai les bons vortex. En fait tu vois là Nos, on est en train de vivre le Stargate version pirate de l'air. C'est ça. Je passe d'un vortex à l'autre. Non mais j'ai... Elle me fait une... NON! Je peux pas regarder ton... Dianosphéro. C'est comme jouer à Peggle après avoir regardé Bob Lennon, c'est tellement sexuel, mais tellement. J'ai trouvé le lien du, là, du département pareil. Du département du Finistère. Jamais, au grand jamais de ma vie, je cliquerai sur ce lien. Mais c'est un joli département, le Finistère. Ouais. Si tu veux, je demanderai à Waze, mais j'irai pas sur ton lien. Non, mais arrête, c'est, franchement, c'est un site, mais mon frère aurait pu le coder, quoi. Ouais, bah, disons, si t'initie ton jeune frère à ça. Bon, bah, il se débrouille. Hein. Pauvre bête. Non, Pringles, fallait pas faire ça. Faut pas faire ça après la conversation. D'ailleurs, je sais pas si c'est un signe, mais Enrique, le personnage du jeu, a fait un sourire en même temps. Tu le vois sur son visage, il y a un smile. J'ai trouvé le pêle-mêle de photos hein, qui est aussi pas mal à regarder. Est-ce que... C'est une horreur. Ne cliquez pas là-dessus. C'est trop pêle-mêle. C'est trop pêle-mêle, ouais. Après avoir joué à Shovel Knight, c'est dans le thème. Ah ouais, mais ouais. Le problème, c'est qu'il creuse trop profond. Bruno is back. First Blood. Et tiens, LT, t'as pas des sorts de res pour tes persos? Non. Ça marche pas comme ça. J'ai trouvé un nouvel endroit. Dans la tombe, c'est... Je suis jamais allé ici parce que ce bateau, je l'ai jamais vu. À la BF4, c'est défibrillateur. Oh.
j'ai déclenché un truc. Ah non, je peux rentrer dans le bateau. Yes. Oh, mais y a un pouilleux dans le bateau. Et j'adore, tu tapes le nom du patelin avec le département dans Google. Comment ? Et il te met Google Maps. Et en fait, si tu cliques sur la map de Google Maps, il te met la région en grand, tu vois, le seul hôtel qu'il y a dans le coin, devine c'est quoi ? Oh non. Hôtel chambre d'hôte. Ça commence à faire peur. J'aime bien comment tu rentres dans le comment tu rentres dans le bateau, Julien. Ouais. Tu rentres dans le bateau, ouais, c'est ça. Parlez pas du bateau, hein. Ralentis surtout pas. Vas-y, tu rentres. Ah, c'est vraiment pas loin en fait. Et tu ressors. J'en connais un qui va aller visiter un établissement peu recommandable. Y a pas un outil pour. Ah bah si. C'est pour mesurer les distances. C'est sur la carte. Ouais, c'est ça, ouais. Ça s'appelle une échelle. Pas une règle. Et avec l'échelle, tu devrais trouver la distance. Mais utilise tes doigts. Dans la carte, bon. Sur l'écran. Ah bah ouais, c'est pas grave, mets tes doigts ou ta main. J'ai une télé qui fait 50 pouces, ma couille. Ah bah tu mets 50 pouces, écoute, qu'est-ce que je te dis. Ça va être chaud, j'ai bien suffisamment de place. Ça doit être à environ. Ah, un nouveau membre d'équipage paumé au milieu du récif perdu, voilà, ça c'est fait. C'est plus près de mon travail que de chez moi et c'est à peu près les trois quarts de la distance qu'il devrait faire. Ça doit faire. Être sympathique pour les séminaires d'entreprise. Ouais. Non, pour les séminaires d'entreprise, je fais ça où je bosse. Mais Ah, d'accord. C'est un château médiéval. Ah. Ouais, de plus la classe tout de suite. Bon, ça veut rien dire. Si ça fait 60 km, ça. Allez, ça à 110 km de chez moi environ. Comme ma bite. Par contre, le bateau, t'as choisi son nom ? Non. Sérieux ? J'ai pas choisi, mais Delphinus, je pense. Il y a des jeux comme ça où tu peux pas choisir les noms, même mais dans les RPG. Quoi. Les RPG à l'ancienne, tu peux pas en général. Non mais je demande quand même parce que non, moi désolé, Delphinus pour un bateau, c'est un peu ridicule. Ouais mais le problème c'est quand tu vois sa puissance ouais, après... Ouais mais c'est un bateau qui vole. Ouais non mais d'accord. Tu vois sa puissance après et là tu souvent dis la fistinière, Delphinus, la terminaison en respect. Voilà, j'ai assumé. Bon, en parlant de fistinière et de ça, je vais me coucher. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Bon fils ? Je sais pas. Je sais pas ce qu'il faut comprendre. Donc sur ce, je vous dis bonne nuit. Là, je suis paumé, bonne nuit. Je suis perdu. Je suis perdu dans cette merde. Ah, attends, faut peut-être que je me repère par rapport au fait que j'ai eu le gars. Alors, voyons, Robinson. Alors... Albator. Voilà, on trouve un coffre, comme ça je l'ai. Ensuite, c'est la suite ce que j'ai dit. Vous savez qu'il faut vraiment avoir texte droit devant, car il y a un reflet de la place, passer par un détour dans le grand mur de verdure. Après le couloir, vous devez retrouver dans le manifeste social avec des lumières. Alors d'abord, retournez-vous et prenez juste avant ce que vous venez. Vers le front. Et un au milieu, et qui est en fait la demande de Robinson. Marie et Chaud vous piquerez avec lui dans le. Ok. Retournez ensuite, vous êtes venu jusqu'à la salle avec des lumières. Traversez-la de l'autre côté. Se trouve encore deux vortex. Je rappelle que ceux qui ont un reflet rouge sont mauvais. Prendre l'aura de bravoure dans le coffre sur la gauche et la bénie dans celui collé au plafond sur la droite. Ensuite, allez au niveau des flèches lumineuses et augmentez votre altitude. Je crois que je vois où c'est. Alors, donc,
Revenons à nos moutons. Alors, il faudra que je passe par là. Droit. Vortex noir. Bon. On va faire plaisir à Nos, on va refaire un Big Bang Attack. Ne serait-ce que parce que c'est pratique aussi. Silence de la mort. Oh, ça c'est la salle de la drogue, ça. La salle de la drogue. Ok, c'est ici. Je prends celui-là. Là. 2-3 rails de coke après, on continue par là. Combien de jours LT, Lucas? 13ème nuit, et là j'ai peur de pas pouvoir rentrer, je sais pas ce qui va se passer. Revenir sera plus difficile. Et 13 combien de joueurs? 2. Jour 14. Ah merde, Bruno pour le moment est... Bruno est mort. Non, mais comme je suis entré à temps... Alors normalement là, j'ai un coffre, et après... Ah merde!
Oui, oui, c'est... Oui, je comprends. Picard, faut que tu répares les toilettes, c'est pour ça qu'ils vont mal, tes gars. Quelle toilette? Avec une bonne chasse d'eau. Une super chasse d'eau, surtout. Ah, j'arrive pas à passer. Ça y est, je passe. Ouais, y'a un vortex là-haut. Ah, combat! Ça va être un garde de corps, ça. Tous les coups. Ah ouais, c'est un garde de coffre. Ah, peu cher. Bon, alors, on va la jouer. Fine. Ah, d'accord. C'est la seule qui ne l'a pas. Ah putain, 16. Donc, on va faire comme ça. Comme ça. On va faire... Ah, chier. Ça. Comme ça. Moons, give me strength. Oh non! Aïe 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 aïe! Ah bah elle est morte! Allez hop, ça c'est fait! I'm so sorry. L'inutile, elle est morte! Pour faire plaisir à Nos. Alors Nos, un truc pété, en voilà un autre. Complètement pété. Pirate's Wrath. 3248 dans ta gueule.
Ouais, c'est pas mal. Ça, c'est son plus puissant en esprit, ça. Putain, il est pas mort quoi. Bon ben, Enrique qui va le finir, hein. Lol. Et voilà, toute la magie rouge est apprise. Ça c'est cool. Calice de sang. Qu'est-ce que c'est, calice de sang? C'est quoi ça, calice de sang? Je sais pas. Bon, bon. Alors. Oh oui! Cyclone Oméga, Nos. Je l'ai. J'ai le Cyclone Oméga. Cyclone Oméga. Alors là, je vais le tester, ça. Enfin, je pense que c'est là que je dois aller, par contre. Allez, il y a un gros Oméga Tex. Si c'est pas là, eh ben... Bah tant pis. Alors après c'est le boss pour te montrer le canon giga. Encore pire. Alors Cyclone Oméga déjà dans un premier temps. Bon ça va tous les one shot hein, sans aucune distinction d'espèce. Voilà, alors le Cyclone Oméga. Je crois que c'est ça le truc avec tous les météorites et tout le bordel. Magie 1. Waouh. Allez, c'est parti. Dylan. Oui. Non, franchement, j'aime pas ça, ça me fait trop bizarre. Tu sais que là, ça me l'a fait, là, il y a quoi, il y a 30 minutes, ce qu'avait dit Reus. À propos du jeu, je m'en rappelle plus ce qu'on disait. Et là, ça me l'a refait. Tu sais qu'en fait, là, le jeu que tu joues, là, tu l'as jamais montré avant. Non. Bah, si. Ouais. De quoi?
Bah, j'ai fait deux lives déjà. Hier et avant-hier. Mais j'étais pas là. Non, je crois pas. Non, ouais, bah non, hier avant-hier, non. Tu sais que j'y ai rêvé de ça. Arrête. Si. LOL. J'ai rêvé de... Je savais même pas que c'était ça, ce jeu, en fait. Et en fait, tu sais, t'avais dit Cyclone Omega, j'ai fait... Attends, ça me dit quelque chose, ça. Alors par contre, Cyclone Omega, je l'ai jamais montré, je viens de l'avoir. Ouais, bah pourtant, ça me dit quelque chose. Donc... Oh là là. Tap. Faut que tu développes ça. De quoi? Faut développer ça. Oui, non, mais c'est des rêves prémonitoires. Il y en a plein qui en montent. Mais il faut développer. Le truc, c'est que ça se développe pas en fait. Parce que tu pas. En fait, tu t'en rappelles qu'au moment où ça arrive. Ah bah oui. Le truc, c'est que au moment où ça arrive, t'es tellement choqué de savoir, enfin, de te dire putain, mais merde, j'ai rêvé de ça que tu dis rien en fait. Alors que tu vois, moi ce qui m'amuserait, c'est de changer un peu la donne, tu vois, de dire quelque chose alors qu'il faut pas. Bon, bah, le boss est en face. Allez, c'est parti! Le boss. La guerre! En bateau cette fois. Alors là, j'espère que je vais pouvoir balancer le canon gigas, juste pour le plaisir. Parce que ça, c'est du plaisir. Ah bah ouais, apparemment je peux. Alors. Il a rayé la peinture. Démonter ce boss. N'attaque pas le Delphinus. Mais c'est planqué là.